Monsieur Michaud, peut-être nous dire où vous en êtes rendu dans votre projet. Ça a beaucoup évolué là, depuis les 2 dernières semaines. Le projet avance beaucoup plus vite que je ne pensais. D'abord parce que j'ai fait déjà la barque complètement. J'ai fait les 2/3 des calendriers, donc c'est-à-dire que j'ai fait 66 calendriers. Il m'en reste 33. Le calendrier, c'est vraiment les longues tiges qui se trouvent derrière vous. C'est ça. C'est ce travail dont le rythme musical, quand je tape, il me faut 4 coups de maillet et de ciseaux à bois pour faire une entaille. Et je travaille par série de 30 à 40. Je fais ta, 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 ta. Et après, je m'arrête pour compter le nombre de... Je fais un petit repère tous les 30 et je continue. C'est très rituel, le fonctionnement de ce travail. Il y a une lassitude, une sorte de chose de langoureux comme le temps qui passe dans la vie. Plus on passe du temps, plus les choses sont difficiles. Et pour faire les calendriers, c'est un peu la même chose. Plus j'avance dans le temps, plus c'est difficile. Ici, il y a la barque qui commence à s'installer avec les 2 rames. Donc, ces 2 rames qui signifient la notion du destin. Une barque sans rames, ça ne peut pas fonctionner. La chaise qui se démonte. La chaise représente notre culture sur laquelle on s'assoit. Si on est dans un océan, dans une masse d'eau, on est obligé de naviguer. On s'assoit sur cette culture, ce qu'on a acquis. On remarque, là, nous, ici, dans la salle, il y a des animaux avec la barque qui revient vraiment dans votre œuvre. Est-ce que la barque est vraiment centrale? La barque est centrale. La barque, c'est la notion du déplacement humain. C'est la notion du réfugié. C'est la notion des gens qui vont d'un continent à un autre. On va le voir avec le débordement de ce qui se passe actuellement dans certains pays. Et la barque, c'est le premier véhicule humain. Deuxièmement, culturellement, en Égypte par exemple, c'était le passage du monde des vivants au monde des morts. Donc, quand faire un calendrier, c'était la réponse parfaite. Là, aujourd'hui, je vais arriver au calendrier qui va correspondre à mon âge. Ça sera la seule entaille qui va être mise en couleur. Et à partir de ce moment-là, je vais poser tous les calendriers sur le bateau et je vais les retirer, puisque je vais rentrer dans mon futur, je vais les retirer de manière très ritualiste, les peindre, les tailler et les remettre. C'est comme si je passais dans un deuxième état. Le temps, est-ce que je vais tailler le jour de ma mort? Est-ce que je vais aller au-delà de 100 ans? C'est ça la question.